Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau pour vous montrer comment avoir Bandicam craqué, gratuit quoi. Et craqué quoi. Parce qu'il est payant, hein, bien sûr. En fait, compte, je l'ai pas acheté, mais je l'ai craqué. Ça vaut le coup de le craquer parce que franchement, il est super bien. On peut zoomer, on peut bien filmer. Alors, vous allez sur internet. Bon, je filme pas avec Bandicam hein, parce que sinon ça fait bugger. Avant j'ai fait une deuxième vidéo, enfin une autre vidéo avec Bandicam, mais ça a pas marché parce que en même temps il a téléchargé et ça a fait bugger. Donc vous allez sur The Pirate Bay, faites entrer, vous allez sur le premier loin. Lien download music music games là vous écrivez Bandicam iBug Bandicam, vous recherchez pirate, faites pas attention et le premier truc, tout premier, c'est ça Bandicam. Et donc voilà, moi-même je l'ai téléchargé, donc ça marche. Par contre, faut avoir uTorrent. Si vous n'avez pas uTorrent, ça marchera pas. Lancez l'application. Vous cliquez sur, vous cliquez sur Get this torrent. C'est pas montré. Et après il va vous faire demander de télécharger. Attendez, parce que je l'avais déjà téléchargé, donc je le supprime. Il le retécharge devant vous pour vous montrer que c'est pas un truc pour vous pirater vous ou un truc comme ça. Là, le torrent que vous avez ajouté d'un titre à un autre torrent a été supprimé. Veuillez patienter pour ajouter un nouveau. Ok. Hop. On va lancer l'application. Ah voilà, refaites OK et là il va se télécharger. La dernière fois j'ai fait une coupure, mais j'ai pas besoin de faire une coupure, on y va vite. Donc voilà, allez. En fait, je crois que je vais quand même faire une coupure, alors on se retrouve juste après. Donc voilà, il a fini de télécharger. Vous cliquez deux fois dessus, continuez. Vous pouvez baisser tout. Hop, hop, hop. Et là, prendre la bébé cam setup. Attends, je supprime même devant vous. Bandicam. Un bébé cam setup. Un BD. Oui. Donc vous le réinstallez. Ok. Suivant. J'accepte. Vous décochez tout, bien sûr, parce que sinon ça ne fait pas. Suivant, installer. Donc là, il installe. Ça va plutôt vite, alors... pas besoin de... Ouais, voilà, comme avant, j'ai fait avec Bandicam. Mais le problème, ça avait enlevé Bandicam pour le retélécharger, tout ça. Ça fait Bins. Et voilà, alors je filmais avec des bus. Et là, lancer Bandicam. Fermer, et ça va lancer Bandicam. Vous attendez. Donc, vous allez dans ça. Ici, Harry aura écrit pour l'email. Donc, pour avoir ça, vous allez dans. Oh, vous savez. Oui. Je croyais que j'allais parler tout seul en fait, non. Vous allez dans Game Maker Maz. Vous l'ouvrez. Voilà, vous l'ouvrez.
Là, il vous dit de mettre une truc, par exemple, vous mettez ta la la. Enfin, vous mettez, je sais pas moi, là, je mets. Je fais, c'est pas ma vraie truc, hein. Voilà, par exemple, je mets. Voilà, après, arrobase, je sais pas moi, hôte, mail.com. Le plus important, c'est le arrobase hotmail.com. Même j'ai mis hotmail. Alors, hotmail, ça faut que ce soit important en fait. Et vu que moi j'ai déjà fait, je peux pas le refaire. Mais attendez. Quand je me suis trompé, vous faites clic droit. Quand vous l'ouvrez, clic droit. Attendez. Il y a un bug là. Clic droit. En tant qu'administrateur, il y aura écrit ouvrir en tant qu'administrateur. Il faudra faire ça. Mais là, il n'y a pas. Ah. Extrait archive. Bref, vous faites ouvrir en tant qu'administrateur. Mais moi, je peux pas parce que. Je sais pas pourquoi. Attendez, peut-être que si je fais. Hop, je le mets sur le bureau. Voilà. Voilà, exécuter en tant qu'administrateur. Tac. Oui. Et là, ici, vous pourrez le faire. Donc après, vous mettez. Comme j'ai mis avant, bref, n'importe quoi. Arrobase. Hotmail.com. Très important. Registrer l'application. Ok. Retenez bien ça. Vous ouvrez Bandicam que j'ai mis là-dedans, je sais pas pourquoi. Là, c'était. Vous l'ouvrez. Oui. Donc, une fois que c'est ouvert, il y aura l'adresse. Il sera piraté. Ah, l'adresse. gnn@hotmail.com. Vous pouvez tout le temps changer l'adresse, ça change rien. Hein. Il faut tout le temps faire. Clic droit. Il faut tout le temps l'ouvrir en tant qu'administrateur parce que sinon ça marche pas. Comme vous avez vu avant, j'ai juste oublié ça. Et là, vous faites n'importe laquelle. Moi, je vais mettre. Pardon, je parle pas. Voilà, donc vous mettez ça. Après, vous mettez registre l'application. Ok. Est-ce que c'est bon? Voilà, vous quittez tout. Vous relancez Bandicam. Oui. Et normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, mrdames@hotmail.com. Donc c'était tout pour ce truc et après pour enregistrer vous faites enregistreur, enfin enregistrer, enfin voilà, parce qu'il est en français, moi je suis bête, et en même temps là il enregistre ma voix, là il enregistre ma voix ici, et vous pouvez faire par exemple là, restaurer, voilà, rendre juste Bandicam, mais tout ça. Tata, tic, boum boum. Après, pour arrêter, soit vous faites F8 ou soit vous faites le petit carré. Et après, vous allez dans ouvrir. Quand il y a ça qui dérange. Ouvrir, et là, c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez lire votre truc. Ça a pris une bonne qualité. Enfin, voilà, c'est en français, moi je suis bête. Et en même temps, là, il enregistre ma voix. Là, il enregistre ma voix ici. Et vous pouvez faire, par exemple, là. Alors, off-toi. Restaurer. Désolé, ça bug. Voilà, prendre juste. Voilà, ça a bugué. Oui, j'ai dit beaucoup de fois, voilà. Mais voilà. Donc, j'enlève tout.
Donc après, ben, vous pouvez quitter, ça enlève tout, 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 tout. Et ça, vous mettez là. Ça, je mets par exemple dans mon logiciel. Ça, ici. Et donc voilà. C'était tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce vert, pas de pouce rouge, sinon ça va aller. Ça va pas aller, je veux dire. Non, mais voilà. Vous commentez. Donc voilà, et si vous en voulez encore plus, bah vous me le disiez, et puis je ferai des tutos là-dessus, je vous montrerai comment ça marche. Voilà.